The purpose of the commission is to preserve history, stories, the memories that are important to the life of Americans now living in America and in other countries around the world. It is America's heritage, and it is found all over the world, with a particular focus, I think, on the Holocaust and a particular focus in Europe. I have been a member of the Commission now for 15 years. All 21 members are presidential appointees. We have been appointed by presidents of both political parties. My appointment came in 2006 by President George W. Bush. Most of the projects that the Commission does involve the preservation of physical places, cemeteries and buildings or monuments all around Europe, particularly behind the old Iron Curtain. But two times the Commission has broadened its mandate also to remember diplomatic rescuers. And one of those projects is this one, to honor Aristides de Souza Mendes. Our Commission is greatly honored to remember his memory on behalf of the United States, because his great humanitarian work, his noble work, is important, of course, not only to the people who survived and lived in the United States, but also to people all over the world. Our commission represents the executive branch of government. We work as an independent agency under the supervision of the United States Department of State. Part of the project is the part you see in front of you, the dedication of the plaque here at the Portuguese consulate. In respect of that project, we have worked closely with this consulate and with the Portuguese embassy in the United States under Ambassador Domingos Fezas Vital. But in addition to that, we have worked with the legislative branch of the United States. We secured through the United States Senate earlier this year a resolution that Senate passed in order to honor Aristides de Souza Mendes. The sponsors of that resolution were Senators Mitt Romney, a Republican of Utah, and Senator Chris Murphy, a Democrat of Connecticut. Senator Romney has a particular connection to France. He was a Mormon missionary here, served 2 years in France, and has a deep affection and association with this country. He is also a member of the Senate Committee on Foreign Relations, as is Senator Murphy. So he introduced the resolution in early April 2021 with Senator Murphy. The Foreign Relations Committee examined it. The Senate Judiciary Committee examined it. Both committees reported it unanimously. And on April 28th, the United States Senate adopted it unanimously. So the honor to Souza Mendes is done not only by the executive branch of government, but also by the legislative branch. Again, his story is specifically important to the people who survived came to live in America, but his story is also important to people who have no direct connection to that history because of the marvelous humanitarian work that he did. We are honored to be a part of that story and to represent it here and in the United States as well. Thank you very much for your attention. Toutes ces actions qui ont eu lieu ici à Bordeaux, à Senon, aujourd'hui même à Bayonne, à Hendaye, d'hommage à Aristides de Souza Mendes, ne serait pas possible sans le travail de du comité français d'hommage à Aristides de Souza Mendes. Donc je voudrais aussi inviter le vice-président et force motrice du comité, Manuel Dias Vaz, à me rejoindre ici et à vous dédier aussi quelques mots. Monsieur le consul, monsieur le membre de la Commission pour l'histoire et la mémoire, monsieur le consul général des États-Unis, mesdames et messieurs les élus, je voudrais, si vous me permettez, avoir une parole toute particulière pour les jeunes et les enfants qui sont avec nous. Comme on l'a dit tout à l'heure au Conseil régional, tout le travail que nous accomplissons, c'est pour eux
puissent à leur tour s'approprier cette mémoire, ce travail de transmission. Je salue l'ensemble des jeunes et des enfants qui sont arrivés avec nous, et d'une façon particulière les enseignants, que dans des conditions parfois difficiles, font un travail magnifique pour faire vivre les valeurs de la République et pour faire vivre au-delà des valeurs de la République les valeurs de l'humanité. On ne donnera jamais, on ne rendra jamais assez d'importance à ce travail pédagogique, à ce travail de formi. Et le comité, pratiquement depuis son origine, a consacré une partie de son action au travail pédagogique dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mais également dans les universités. Partout où notre jeunesse est présente, il faut que notre parole soit présente. C'est pas pour paraître, c'est pour transmettre des valeurs, c'est pour effectivement donner du sens à ce que parfois n'a pas de sens. C'est de faire vivre dans la mémoire de nos enfants cette fonction de transmission qui est ce qui est le socle fondamental des valeurs auxquelles nous tenons. Nous vivons une période difficile où une partie de la population n'a plus confiance ni dans les politiques, ni dans ceux qui nous dirigent. Et donc il faut effectivement, plus que jamais, agir au niveau des enfants, et ce travail qu'on ne voit pas est essentiel. Je voudrais également, à cet instant, remercier Monsieur le Consul Général de Portugal. Il est parmi nous depuis un an et quelques. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il a accompli pour permettre à que cette question soit appropriée ici, à la fois au consulat, mais également dans l'ensemble de la communauté portugaise de notre région. Je vous ai amené cet après-midi, je l'ai montré dimanche à la synagogue, et je tenais à vous le montrer ici aujourd'hui, parce que c'est une forte symbolique. Vous avez ici, j'ai ici dans mes mains, le livre des visas délivré par Aristide de Sozaman. Rassurez-vous, c'est une copie. Parce que l'original qui a été trouvé ici au premier étage est au Portugal au ministère des Affaires étrangères et il a été classé patrimoine de l'humanité. Donc ce livre de registre dans lequel il y a des milliers de noms, c'est effectivement la preuve tangible. Parce que nous sommes dans un monde où le négationnisme est en train de prendre leur place dans nos mémoires. Il faut en permanence, aujourd'hui, démontrer ce qui s'est passé hier. Témoigner, ça ne suffit pas. Il faut démontrer. Le livre des visas que j'ai ici, avec des centaines et des milliers de noms, est la preuve réelle que des hommes et des femmes en grand danger ont été sauvés ici à Bordeaux, Bayonne et Hendaye par un très grand humaniste. Et donc vous avez ici la copie du livre des visas qui est patrimoine de l'UNESCO au ministère des Affaires étrangères portugais. Je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le Consul Général, remettre à Monsieur Martin Gold la médaille d'honneur de consul. La médaille que nous distribuons, ce n'est pas notre médaille. Nous ne sommes pas là pour paraître, nous sommes là pour faire vivre une mémoire. Tout notre travail, c'est pour transmettre des valeurs et faire vivre la mémoire d'Aristide Sozaman. Donc la médaille que nous avons fait frapper l'année dernière est une médaille à la mémoire du consul Sousa Mendes. Ce n'est pas la médaille du comité. Le comité n'est qu'un maillon d'une chaîne pour la transmission de la mémoire. Je termine de ces quelques mots en remerciant également l'ensemble de la communauté juive de Bordeaux et de France qui nous a accompagnés dans ces parcours. Un certain nombre d'entre vous, vous êtes là parmi nous, et remercier les collectivités locales, régions, départements, villes de Bordeaux,
la ville de ce nom, Bayonne, Nanda et bien d'autres qui nous ont accompagnés dans ce parcours, parce que sans l'implication de l'ensemble de ces collectivités, nous n'aurons jamais réussi ce que nous avons réussi. Cet ensemble, au nom et à service d'un certain nombre de valeurs, que nous pouvons réussir. Nous sommes différents. Il faut assumer la différence, mais il faut effectivement dépasser nos différences pour créer cette unité nécessaire chaque fois que les valeurs fondamentales sont en question. Merci de votre présence à vous tous, et je vais remettre la médaille à M. Martin Hold et le catalogue de notre exposition. Dear Martin Gold, dear Celeste, today the legacy of Aristides Sousa Mendes is no longer Portuguese. Despite the fact that he was a Portuguese citizen and a Portuguese civil servant, and we are very proud of that fact, as proven by the honors of National Pantheon that he was given today, Aristides is a citizen of the world. Considered righteous amongst the nations in Israel, celebrated in Argentina, evoked by the United Nations and its Secretary General, or honored in the United States, including by a recent resolution approved by the Senate last April after being submitted by Senator Mitt Romney. And I most particularly would like to thank Celeste Gold for her efforts. When the United States Commission for the Preservation of American Heritage Abroad contacted us, the embassy in Washington, the consulate here, the Ministry of Foreign Affairs and the Portuguese government, to propose the installation of this memorial plaque in the Consulate General here in Bordeaux, in honor of Aristides de Sousa Mendes, we clearly understood that his actions and the values that those actions stand for, humanity, solidarity, altruism, compassion, belong to all of us, regardless of nationalities, creeds, colors, choices. As the Portuguese consul here in Bordeaux, all I can say is that I'm very honored to safekeep this tribute to my illustrious predecessor. I am honored that he was Portuguese, that he was a fellow diplomat, but more importantly, that I can bear witness to the way that Aristides de Sousa Mendes touched the lives of so many and continue to inspire so many more to resist and confront inequalities, discrimination, and persecution of other human beings. Thank you so much, dear Martin, for your efforts and perseverance in making this day possible after all the postponements due to the COVID pandemic. And through your presence, I extend my acknowledgement to all members of the Commission, and I believe that during these last couple of days, at the synagogue, at the cathedral, in all civil events that you attended, you were given the testimonies that show that you are honoring a righteous man. L'héritage d'Aristides, comme le réalisateur Patrick Serodi a appelé son extraordinaire documentaire qu'on a eu l'opportunité de voir au Rocher de Palmé à ce nom hier soir, est vivante. Et elle est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Quand on voit les inégalités, les discriminations, les apartheid, les persécutions qui subsistent parfois trop près de nous, l'exemple d'Aristides est un appel à l'action. Parce que ces actions nous montrent
qu'on ne peut pas fermer les yeux. Et surtout que les actions d'un seul homme peuvent avoir un impact et peuvent faire toute la différence. Je veux une fois en plus remercier toutes les institutions qui ont honoré Aristide Sosa Mensch, le consistoire israélien, l'archevêque de Bordeaux, le gouvernement français, était très particulièrement la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, la préfecture Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, les conseils de la région de Nouvelle-Aquitaine et du département de Gironde, les maires, notamment le, de Bordeaux et Senon, mais aussi de Bayonne et Hendaye, qui ont aussi organisé des tributes à Aristide. Tous les élus qui ont été présents au long de ces événements, bien sûr le représentant de la Commission des États-Unis et mon collègue, le consul général des États-Unis à Bordeaux, les membres des associations et de la communauté portugaise, notamment tous qui sont ici présents, les artistes comme Madame Le Chevillier, Madame Gorène, Monsieur Costa et Monsieur Cargaleiro, dont les œuvres dédiées au consul rebelle sont ici patentes. Au Valentine Cohen, Isabelle Barrales et Lilian, qui attendent que je termine pour pouvoir eux aussi présenter leur hommage à Aristide. Les élèves et les étudiants, et surtout les élèves du lycée Camille Julien qui veulent aussi nous présenter quelques-uns de leurs travaux à propos de Aristide Sosa Mensch sur la coordination de Martin Tavos. Je tiens à vous remercier vivement pour votre engagement à cette noble cause de promouvoir la mémoire historique de Aristide Sosa Mensch et de la transmettre aux nouvelles générations. Un dernier mot très spécial pour remercier et pour honorer également le travail inestimable du comité Sosa Mensch et son vice-président Manuel Dias tout au long de ses presque 35 ans d'activité. Chers amis, Aristide Sosa Mensch constitue hoje um dos principais patrimónios de Portugal, sobretudo porque o reconhecimento da justiça e humanidade das suas ações ultrapassa largamente as nossas fronteiras. A forma como aqui, em Bordeus, tantas instituições responderam presente a este apelo do Comitê Sosa Mensch e se uniram ao Consulado-Geral no assinalar desta data, demonstra bem o reconhecimento que aqui existe. Ao longo dos últimos dias, a comunidade judaica, o arcebispado de Bordeus, várias câmaras municipais, como a de Bordeus e Senão, o Conselho Departamental, o Conselho Regional, a Prefeitura da Nova Aquitânia e da Gironda, o governo francês, teve aqui uma ministra para presidir a cerimónia desta manhã em frente ao busto. Este tributo à figura histórica de Aristides reflete-se de forma muito positiva na forma como todas estas entidades encaram a nossa comunidade. E aí recai igualmente a importância desses eventos. Porque não é apenas Aristides de Sousa Mendes que é evocado, é também o nome de Portugal e dos portugueses, e graças a ele, hoje somos mais reconhecidos e temos melhores condições para trabalhar como desejamos para a promoção da nossa comunidade, da nossa cultura e da nossa língua. Também por isso, estou grato ao Aristides de Sousa Mendes. Termino agradecendo a presença de todos. Thank you very much for coming all the way from Washington to witness all these events in honor of Aristides. Merci beaucoup d'être présent, surtout les enfants. Et je vous invite à partager avec moi, les enfants, bien sûr, avec le jus de fruits, un toast à la mémoire du juste de Bordeaux, du consul rebelle, Aristides Sosa Mendes. Je vous en prie, c'est du Porto, bien sûr.